Je m'appelle Lily Marion Chamberlain, j'ai 13 ans et je fais du piano puis du chant. Je vais à l'école La Seigneurie en musique études. Je chante depuis que je suis toute petite, littéralement, mais sinon le piano depuis le confinement. Je fais pas de cours ni rien, c'est juste comme j'avais juste à faire. Okay. J'essaie d'apprendre quelques accords. Ben c'est sûr que c'est vu que c'était une année difficile, puis que je pouvais moins voir mes amis. Ben je me suis dit je vais pouvoir plus chanter, puis plus jouer. Puis c'est pas mal ce que j'avais juste à faire. Fait que j'ai appris des tunes, puis jouais, chantais régulièrement. Pas mal comme ça, j'ai comme traversé la pandémie un peu là. Même si c'est pas encore terminé. Si je te demande qu'est-ce que tu aimerais que nous comme spectateurs on ressente en t'écoutant. Je trouve ça vraiment fun. J'étais vraiment stressée au début, mais c'est vraiment cool. Ben juste comme peut-être d'être émue ou genre d'avoir un petit peu d'émotion. Comme de... OK. Quand ça coûte, tu sais, comme un petit pincement au cœur, là. Un petit peu ça, genre. OK, parce que c'est important pour moi de savoir qu'est-ce que toi tu veux nous livrer, parce que c'est ça qui est beau de la musique, c'est que chacun, n'importe qui, peut la chanter d'une façon vraiment différente. Fait que là, moi, de savoir que toi, c'est ça que ça résonne en toi, puis c'est ça que tu veux nous transmettre. Donc... Ouais, j'ai trouvé ça vraiment fun. Je m'attendais comme pas à ça, surtout quand j'ai dû réciter le texte sans la musique. Et là, je t'ai demandé de nous raconter ça, de prendre juste le texte de ta chanson. C'est comme étrange, mais j'ai vraiment aimé ça, puis je pense que ça va m'aider si je refais des tunes pour vraiment rentrer dedans puis me l'approprier à ma manière. En tout cas, ça m'a vraiment comme réveillée sur les paroles et tout. Là. Quand t'es sur scène, c'est le public, il fait juste te regarder, puis c'est ça aussi qui est le fun. Tu donnes ce que tu sais au public, fait. Je sais pas, c'est vraiment juste d'y aller puis de croire en soi. Puis si tu sais que t'es capable de le faire, t'es capable de le faire. La pièce que je vous présente, c'est When I Was Your Man de Bruno Mars. Je l'ai choisie parce que je la connaissais déjà au piano. Parce qu'en fait, pendant le confinement, ma meilleure amie, elle me l'a comme montré. Fait que je l'ai appris au piano, puis depuis, je la chantais régulièrement, puis je la jouais régulièrement. Donc là, quand le concours est comme arrivé, ben. Je me suis dit, je vais jouer elle, tu sais, à la place d'apprendre une grosse tune. Mais quand je pense à ce que la chanson me fait pour moi, je pense beaucoup à la nostalgie parce que c'est vraiment une chanson qui. Ben, pas qui représente ma meilleure amie, mais c'est comme. Elle me fait penser à elle vu que c'est comme elle qui me l'a fait découvrir un peu. Fait que c'est sûr que quand je joue cette tune-là, ça me fait toujours penser à elle, puis aux souvenirs, puis vu que je peux pas la voir à cause du COVID, ben, ça me fait beaucoup de nostalgie, puis juste. Pas mal ça. Every time I close my eyes.
to everybody, 'cause all you want.